Hello tout le monde, c'est Asso pour la plateforme de DayZ Network. Aujourd'hui on se retrouve pour le 34e épisode de Unfriendly Island sur la carte de Taviana mais sur le mode de DayZ Origins. Ma maison elle est là, magnifique. J'ai tout foutu dedans, la voiture est entièrement vide. Je suis entièrement vide mais genre complètement. Tout ce que j'ai c'est la map et encore j'étais même pas obligé de la prendre. Mais bon voilà hein, par principe. Aujourd'hui c'est un épisode détente que je me réserve, c'est le dernier épisode de la journée pour moi. C'est le troisième, voilà. Ça fait maintenant 5 heures que je joue. Croyez-moi, je n'en peux plus. il est maintenant midi et demi. Je vais me réserver ce dernier épisode pour faire de la merde. Voilà, parce que j'ai envie de faire de la merde pour ce dernier épisode. Donc je vous préviens d'avance, il n'y aura pas de truc de ouf. Mais je vais tenter de me restuffer un tout petit peu, puisque j'ai fait une grossière erreur. Et la grossière erreur, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais rapidement faire un tab pour être sûr de ce que je vous raconte, parce que tout de même, faut pas déconner. Où est-ce que t'es? Là. Alors, vous avez certainement dû entendre boum boum boum, c'est mon bureau, je suis désolé. Ok, donc la maison niveau 1 peut contenir 500 items, 10 armes ou outils, on est d'accord, et 5 backpacks. Dans ces backpacks, je me suis dit, bah, tiens, je vais garder mon Alice Pack que j'avais sur le dos là, et je vais me faire un sac d'outils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mettre tous mes outils à l'intérieur, la toolbox, tout, j'ai tout mis dedans, tout, j'ai tout mis à l'intérieur. J'ai mis mon sac à l'intérieur, j'ai refermé la porte, j'avais oublié un truc dans mon camion, je suis revenu à l'intérieur, j'ai repris mon backpack parce qu'il me fallait de nouveau ma toolbox, et tout ce que j'avais dans mon sac a disparu. Donc, tout ce qui me reste en outils, c'est ça. Ouais, ben, il fallait faire l'erreur pour savoir, hein, on est d'accord. Donc, ce que je cherche en priorité, ce sont des outils, tout simplement. Voilà, outils que je chopperai en double par la suite. Et vraiment la voix qui part en sucette, hein, je suis navré. Donc, ouais, outils que je chopperai en double par la suite. Ben, dans un premier temps, déjà trouver une deuxième carte éventuellement, ce serait bien. Peut-être une boussole. Bon, la toolbox, ça serait une bonne chose. L'entrenching tool, j'ai perdu mes deux entrenching tools, c'est super. Donc, il va me le falloir également. Encore une fois, ma maison est maintenant créée. Je n'ai plus de peur de mourir, c'est pas grave si je meurs, même d'ailleurs j'en ai rien à foutre. Et voilà quoi. Donc on va se faire un petit épisode un peu funky, hein, j'ai envie de vous dire. Des blood bags, des choses comme ça serait assez intéressant d'embarquer si jamais je me fais un friendly pot. Même si je suis pas friendly, normalement. Puisque ben il faut tuer tout le monde. Hein. C'est ça le concept, c'est ça le principe. Il faut que je bute absolument tout le monde pour baisser mon humanité. Et voilà, je ne sais absolument pas où se trouvent les blueprints de niveau 2. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je cherche sur le net. En tout cas, eh bien, c'est ce que je recherche. Il y en a qui ont eu... Oh, salut. Bouh. Bah tiens donc. Petit enfoiré. Et en plus de ça, il savait même pas viser. Aïe. Ah bah si, là, pour le coup, il savait viser. Ouais, regarde-moi ce glandu. Ah, la blague. Bon, c'était très con ce qui vient de m'arriver, on est d'accord. Je me suis dit, ah, il va pas me capter, on va faire demi-tour, et en fait... Bon, bah alors, attendez voir. Record, hein, record battu, je pense, 3 minutes 35 et je suis mort. C'est pas mal. En tout cas, il va être un petit peu déçu avec le stuff que j'ai sur moi, ça c'est sûr. J'ai une map, c'est tout. Voilà, rien à... Rien, mais alors, concrètement, rien à foutre, hein, là, très clairement. Hein. Mais ça m'emmerde pour ma map, quand même. C'est vraiment dommage. On pourrait se faire autre chose que Bielof pour changer un petit peu, hein, vous en pensez quoi? Ce serait pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Alors, je vais rapidement aller sur la carte. De toute façon, il y a une minute de chargement. Manque de bol, vous ne la voyez pas, vous. C'est très dommage. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma carte, moi? Disparition, très bien. Bon, on va toujours rester sur le côté est hein, de l'île, je suppose, parce que j'ai pas envie de marcher de trop. Mais Etanovsk, pourquoi pas? Pourquoi pas partir sur Etanovsk? Etanovsk qui est sur... bon, je vous montrerai ça sur la carte. Ah ben, sur la carte in-game, j'allais dire, en fait, non, pas du tout. Mais un petit peu au-dessus de Sabina. Voilà. Moi, ouais, Etanovsk, ça paraît pas mal. Hein. Il y a un hôpital sur place, il n'y a pas de truc militaire, ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais éventuellement il y a Sabina un peu plus loin pour ça. Ouais, dans un premier temps se stuffer à Etanovsk, ça paraît pas mal. Bon, on va voir.
Je ne sais pas encore de trop. De toute façon, je taperai la marche dans tous les cas. Même si Bielov c'était à côté, mais c'est un peu pour vous, pardon, faire voir autre chose. Décidément, je vais y arriver. Ouais, Etanovsk, ça me paraît bien. Si j'ai l'option, je vote Etanovsk. Ok. On est de retour. Etanovsk. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Et je crois pas que j'ai. Oh, y a pas grand chose à l'horizon, dis donc. Déjà, c'est par où? Première chose. Parce qu'il y a du bâtiment là-bas. Est-ce qu'on peut voir un. Ah, c'est peut-être Solibor que je vois au bout là. Bon, on va déjà tenter de partir par là. Voyons voir où ça nous emmène. Il y a l'autoroute également. Autoroute. Autoroute qui est à ma droite. Ah, hélicoptère. Que je ne sais pas où qu'il est. Ouais, je confirme, c'est bien là. Etanovsk. Donc on est censé avoir deux zones industrielles pas loin. Qui sont là-bas, exactement. Et un supermarché droit devant nous. Nickel. Bon, on va commencer par. Par quoi, tiens? On va commencer par la zone industrielle. Ouais, on va commencer par la zone industrielle. On va voir ce qu'on peut y trouver. Une toolbox, ma foi. Une hache. Une pickaxe. Puisque je n'ai plus rien de tout ça. Et j'aurais dû, avant de commencer cet épisode, jeter un coup d'œil pour savoir où se trouvait le blueprint de niveau 2. Parce que, en fait, j'ai essayé de construire une deuxième maison de niveau 1 et ce n'est pas possible. Voilà. Parce qu'il me dit que vous avez déjà construit une maison de niveau 1, blablabla, bref. Ce qui me paraît sensé, remarquez. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une deuxième petite maison à moi. C'est con quand même. Mais bon, c'est pas un souci. Hein. C'est pas un problème, on va se tâcher. On va se tâcher. Non, on va tâcher de. On va tâcher de trouver un blueprint de niveau 2 et se faire une maison niveau 2. Tant qu'à faire. Tout de suite les grands moyens. Non, c'est mauvaise touche à ce. Voilà. Ok, bon. Et ferme la porte là. Voilà, que je puisse passer. Et ben maintenant t'as le droit de rouvrir. Ouais. Alors bandage, ça c'est pas mal. On va déjà embarquer la totale. Encore une fois on fera le tri quand nécessaire. Voyons voir. Que dalle. Pas ouvrir. Et ah, entrenching tool, ça commence bien. Bien, ça fait déjà un outil de moins à chercher. Continuons. Bon, on va faire les grands bâtiments, tiens. Vu qu'on est à côté, n'est-ce pas? Une hache, très bien. Ok. Scrap, on s'en tape un petit peu. Ça c'est rien, ça c'est rien. Ok. Voyons voir. Ah, couteau de chasse. Du Makarov également, je crois. Parfait ça. Un petit soda. Ah non, c'est pas des chargeurs Makarov. Autant pour moi. On va laisser sur place. Mais ça a le même skin en tout cas. Non, ça j'ai déjà fait. J'ai entendu un zombie. Je sais pas où il est. Ah, il est là-bas. Cartouche. Non. Non, non, non. Pour l'instant, ça va, merci. Ça, c'est des cartouches qui me plaisent en revanche. Bah, déjà, il y a du Makarov. Mais il y a aussi le. Ouais. Le 45. L'autre on va laisser tomber. Et une petite pickaxe peut-être pour finir, ce serait parfait. Un moteur, bien entendu je n'en cherche pas, donc forcément il y en a un. C'est logique. Makarov? Parfait. Ouais. Ça me paraît bien, hein. Ok, quittons la zone. Je crois qu'on a tout fait, on va peut-être juste passer par ici rapidement. Non, j'ai déjà fait. Eh, hey, je suis fatigué, hein. Troisième épisode de suite. On est d'accord, ça fait 6 heures que je joue, ou 5, je sais plus combien. En tout cas, je me suis levé bientôt ce matin. Ah voilà. Et bien entendu, nous sommes toujours encore 40 sur 40 sur le serveur. Toujours encore du mal à se connecter. Voilà. Alors je préviens GXP qui est un gars avec qui j'ai discuté épisode précédent. Et il demande si le gars de Bielov à la Fire Station est friendly. Je lui dis que non, puisque c'est lui qui m'a tué. Hein. Donc comme ça, il est déjà au courant. Sympa comme mec, hein, quand même. Ouais, je sais. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre là-dedans.
Il y a de la mune, Makarov. Bon, on va laisser tomber un bandage pour l'instant. Une batterie, ça, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse au final là-dedans. Bon, chargeur de Lee-Enfield, ouais, c'est pas perdu. Hein. Ceux-là, on peut les stacker dans l'inventaire principal. Ouais, crie pas. Ouais, on va voir. Une montre, bon. Je parlais pas de ce genre d'outil par contre, qui sert pas à grand-chose. Mais c'est toujours ça de prix. Hein. Oh! Bien. Je sais pas s'il a bugué, lui ou quoi, ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, bah, il est mort. Ah, il avait pas mal de choses sur lui, tiens. C'est pas mal, ça. Alors, ce zombie est bien dégueulasse, hein. Je sais pas si vous avez capté. Bah, alors, lui, il est vraiment horrible. Voyons voir. Enfin, il avait pas mal de choses sur lui. Ouais, c'est un point de vue, quoi. Il n'y avait pas grand-chose du tout, même. Rien qui m'intéresse, du moins. Et il n'avait pas de sac, non, parce que sinon, j'aurais pu looter le sac, également. Lui, il essaie de venir en fufu, là, derrière nous. Petit malin, va. Et une montre encore. Ok, très bien. Passons à la suite. Et je suis à 1000 d'humanité. Wouhou, magnifique. Bon. Le pauvre Makarov. Ah ben, j'ai XP à t'es tué, voilà. Ouais. Chose qui arrive, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre ici? Ouais, c'était un peu cheaté le frag au Makarov, j'avoue. C'était un... Le mec ne bougeait pas. Je pense qu'il a planté ou... Ou alors il s'est fait kicker ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est pas mon problème. Il est mort, hein. Je suis un bandit. Faut pas l'oublier. Enfin, je dois être un bandit du coup, puisque sinon ma maison, je ne la construis pas, quoi. Donc il va falloir tuer des gens. Et pour ça, ben, on va se stuffer à gauche à droite. On va prendre des trucs rigolos. Oh, un lispack. Ça peut être intéressant, ça. Mais le problème, c'est que je n'aurai qu'un seul chargeur, pardon. Et du coup, vachement moins intéressant. Eh bien. Non, prends-le. Voilà. Ça, c'est très bien, ça. Donc, on a un Alice Pack sur le dos. Ça, c'est nice. Ça me fait déjà un deuxième sac. Le premier étant toujours à la maison. Hein. Ouais, dans les boissons, là, à un moment, faut pas déconner non plus. Voyons voir. Code lock. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. On se tire. Alors ça pourrait m'intéresser dans le sens où la maison niveau 2, tout ça, mais j'en suis pas encore là. Je vais d'abord profiter un petit peu de la détente là. Voilà, j'en ai marre. J'étais beaucoup trop stressé. Maintenant c'est l'heure de faire de la merde. Et accessoirement de tuer des gens si on peut. Hein. Bien sûr, ne l'oublions pas. Voyons voir, nourriture, ça c'est bien. Je vais également sortir un bandage, tiens. Alors ouais, les flèches, on est d'accord. Et je vais mettre deux bandages là-dedans. Voilà, comme ça, mon médical standard. Boisson et encore boisson, on s'en fout. Une carte serait bien. Que je puisse me retrouver un minimum. Et il y a des maisons énorme densité quelque part par là. Je ne sais pas trop où. Je crois que c'est celle-là, là. On va aller jeter un coup d'œil après. Il y a une autre maison dans laquelle on peut rentrer que j'ai vu. Ou c'était pas une maison, c'était peut-être la zone indus que j'ai vu, je ne sais plus. Mais je crois être déjà venu ici, mais c'était pour un épisode de Taviana, c'était pas encore sur Origins. Où je suis venu ici avec un camion orange, il me semble. Alors ça remonte à une décennie, je ne sais plus. Je ne sais plus quel épisode c'était. Eh, la mémoire, hein, mine de rien. Quand même, hein, faut pas déconner, vous avez vu ça? Incroyable. Et je sais pas si on peut rentrer dans l'église. Première vue, je dirais que non, mais on va quand même y faire un tour. Alors l'hôpital, on m'a dit que si tu tires sur la vitre de gauche, en effet, elle pète, ben exact. Alors c'est peut-être un coup de chance que j'ai eu, je ne sais pas. Mais j'ai retenu l'astuce. Merci à toi en tout cas. Et j'ai oublié ton pseudo, je suis désolé. Ça par contre, pour les noms, c'est pas encore ça. Ok, niveau médical, on est bien. Parfait. Et il y a peut-être un blue bag qui traîne, ce serait pas mal ça. Non, il n'y a pas. Très bien. Ouf, ouais non, trop de zombies, hein. J'ai pas envie de m'ameuter tout le quartier. Ouais, je sais pas si on peut rentrer dans cette église, c'est une excellente question. J'ai envie de vous dire qu'on s'en fout un peu. Mais en même temps, curiosité. Voyons voir. Oh, un Simon Bag. Ah, j'entends des coups de flingue. Le Simon Bag, ouais, on est d'accord, hein, on s'en fout. Hein. Allez.
Alors ça, tirer, je suppose que c'est dans les maisons. Ah non, même pas. C'est près de l'église, on dirait. Weapon Makarov, 25 mètres, tiens donc. Peut-être qu'il l'a tué au Makarov. Ça aurait été assez GG de sa part, ça. Moi, mon frag ne compte pas, on est d'accord, hein, c'est beaucoup trop simple. Mais le sien, si ça se trouve, il a bien visé et il lui a mis en pleine face, quoi. Salut. Esquive. Si la, je crois qu'elle se loot quand même. L'église. Me semble bien. Alors, là on arrive dans une zone dans laquelle on peut trouver du bâtiment résidentiel haute, voire très haute densité. En voilà un qui est médium, je crois. Ouh. Je sais pas si c'était pour moi ça. Mais un lien fil là, ça serait pas mal du tout. Est-ce qu'il y a moyen de trouver ça quelque part? Un petit Enfield. Et ma voix qui part complètement en sucette, c'est assez incroyable. Ok. Ouais, un fusil à pompe, enfin n'importe. On s'en fout, hein. Tant que ça tire. Mieux que le Makarov, quoi. Mais un Lee Enfield, j'avoue que je commence à m'y faire doucement. Même si je l'utilise pas beaucoup. Ça fait mal. J'aime bien, je suis assez fan. Bon, on va voir. Rien. Ok, passons à la suite. Oh. Encore un de ces Uzi, je ne sais ce que c'est. Un deuxième. Ok, très bien. Ah, il y a de la nourriture là. x2 même. Ok, alors le zombie qui tombe de nulle part, j'adore. Ah, tout de même, il m'a pas fait saigner, Studio. Coucher. Et j'ai dû ouvrir le feu. J'espère que ça ne craint pas. Salut. Genre il marche, on dirait un cowboy le mec. Hey, salut, tranquille, je vais te mettre une grosse tarte. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, dégage. Je te jure. Couteau de chasse. Check. Ouais, check. Recouteau de chasse. Remunition à foison. Alors, définitivement, si je trouve un revolver ou un M19, je vais échanger. Parce que là, niveau mune, voilà quoi. Quand même, hein. Gourde. Et. Oh les, rien du tout. C'est moche. On va emmener le chargeur de Makarov. Et j'ai toujours pas de map, hein. C'est bien dommage ça. Lienfield ? Ouais, Lienfield. On emmène également. Allez. On y va. Où est-ce que j'étais moi? Là et là. On peut rentrer dans cette grosse école là également. Peut-être y trouver des choses intéressantes et ça doit être un des deux gros bâtiments résidentiels qu'il y a dans le coin. Je suppose qu'il y aura du monde puisque, ben, ma foi, c'est le gros bâtiment résidentiel qu'il y a ici. Ou un des deux seuls. Rien, ok. Ouais, non plus. Non, pas la porte, la porte. J'ai tellement de mal, moi, avec ça. On va voir dans le gymnase. Apparemment rien. Peut-être juste des choses ici qui sont planquées que je ne vois pas très bien. Voyons voir. Bah, c'est une torche, ouais. Ouais, exact. Bon. Profitez pour boire un coup. Tant qu'il y a, prenons. Et passons à la suite, n'est-ce pas? Continuons notre séance de loot. Non, toujours rien. Poursuivons. Ah. Non, c'est un M-pad. Mince, dommage. Je croyais que ça aurait pu être une map en fait de loin, mais manque de bol. Non, rien du tout. Toujours encore rien. Eh bien. Pas fameux, dis donc. Non plus, eh ben. Encore de la mune, bon là, ça suffit pour un moment. Et dans la salle des Schtroumpfs, rien du tout, on dirait.
Ok. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut encore faire à Itanovsk, nous? Pas grand-chose, hein. Alors, il y a l'église. Ouais, éventuellement. Puisque là, c'est bien maigre, hein, ce qu'on a trouvé. Pour une grosse école comme celle-ci, c'est pas grand-chose, grand-chose. Donc, on va se diriger... ouais, on va se diriger doucement vers l'église. Voir ce qu'on peut trouver là-bas. J'ai complètement oublié mon chrono. Foutu truc. Bon, c'est pas grave. Oh. Salut. Voyons voir. Guidi. Ça marche, mec. Je prends, moi. Bien, maintenant j'ai plus le droit de mourir parce que j'ai une guilie sur moi. Et je trouve ça cool. Ouais, donc, église. Puis ensuite on reviendra sur nos pas. Et on ira direction Solibor, qui est un petit peu à l'est de cette même ville d'Etanovsk. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, on dirait pas. Hein. Et je vais devoir faire tout le tour comme un cucu. Youpi, magnifique. Qu'est-ce que je suis content d'avoir posé cette foutue maison, vous n'avez même pas idée. Un énorme point en moins, maintenant je peux faire l'idiot, ça me plaît. Et vous avez remarqué le ghili qui est seulement moitié de ghili en fait quand vous êtes en bandit. Ouais, le full ghili c'est pour les héros et le semi ghili c'est pour les bandits, comme ça on les reconnaît. Et comme ça on peut mettre une balle dans la tête parce que je suis un bandit quoi. Et fier de l'être moi, m'en fous. Non mais honnêtement si j'avais su... qu'à 1900 on était... Olé ! Moi je te pète moi, au Makarov mec s'il faut. LOL ! Dites-moi que je l'ai eu. Ah là l'énorme blague. Bien. Alors ça mec, j'avoue, franchement ce que t'as fait c'était mauvais. Meurs. Oh. J'ai tué quelqu'un au Makarov, les amis, je suis à 600. Magnifique. Bien. Matériel, voyons voir. Qu'est-ce qu'il avait sur lui, notre ami, là? Bon, déjà, il a l'Alien Field, ça, c'est une bonne chose. Tiens, je te donne le civil truc, là. Oh, une Mountain Dew. Par principe, on est d'accord. Des allumettes, ça, c'est bien. Une montre, ouais, jumelles, pourquoi pas. Ah, il a un revolver, ça, c'est cool. Sardine, ouais, alors on va manger, hein. Histoire d'être full HP, voilà, parce qu'il m'a même pas enlevé, il m'a même pas enlevé d'HP le mec, hein, au final. Putain, j'hallucine quoi, je vais te démonter, trop cool. J'en reviens pas moi-même, hein. Je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir le tuer. Et en fait, si. Et vite fait, bien fait quoi, ça c'est pas mal. Bon par contre, faut décamper assez vite parce que je pense que le mec va forcément revenir dans le coin. Mais on a 60 secondes, le temps qu'il arrive sur le serveur. Et l'avoir tué au Makarov quoi. Non mais franchement, putain je te jure. Et ça m'arrive jamais d'habitude hein. Blueprint héros. Ouais, ah bah tu vas être déçu mon ami. Parce que tu sais ce que je veux faire, on est d'accord hein. Hop, un autre chargeur. Painkiller, tout ça c'était bon, j'avais dit. On a vraiment plus rien prendre? Non, ok, dans ce cas, ciao. Et ouais, tu croyais vraiment pas que j'allais te laisser hein. Bah, finira bien par disparaître, je pense. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le coin avant de partir. Blueprint héros, ouais. M'intéresse plus vraiment. Comment je suis à... Ouais, alors on va prendre les deux chargeurs qui sont là, juste dans le doute où on est d'accord. Hein. Et le corps ne veut pas disparaître. Waouh, waouh, waouh. Allez, bouge. On va juste voir ce qu'il y a encore d'autre à récupérer. Apparemment, pas grand-chose. Et il n'avait pas de carte sur lui, c'est bien dommage. On va devoir se diriger... Ah ben voilà, il a disparu. On va devoir se diriger au nuage pour aller à la zone suivante. Ok. Allez, barrons-nous. Mais vous avez vu ce vieux camping là qui nous a fait cette enflure là? Franchement, il méritait bien la mort quoi, on est d'accord. Et je regarderai dans cette... dans la vidéo, à quoi ça ressemble, parce que j'étais tellement dans le feu de l'action du coup que j'ai pas vraiment réfléchi. Mais il s'est pris une sacrée balle dans la tête, je crois, à un moment. C'était pas mal. C'était rigolo. Et les rats, ils sont... Ok. Ouais, bah les rats, ils vont exactement m'emmener là où je veux. Donc on va suivre les rails. Tout simplement.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors lui il m'a vu, par contre ceux qui sont là m'ont pas vu quoi, ça c'est assez incroyable. Putain, ça c'est intéressant, c'est quoi, c'est un chargeur de PKM? Ah bon? Ouais, pourquoi pas, hein. J'ai envie de vous dire, on n'est pas full, profitons-en. De toute façon, tout ce que je garde sur moi et tout ce que j'arrive à ramener à la maison, c'est tout bon, quoi. Crime, salut à toi, tu te rappelles de moi, crime. Et moi et les pseudos, j'ai du mal, hein. Crime, ouais, c'est possible, ça me rappelle quelque chose, mais alors franchement... Eh, tu m'en veux pas si je te dis que non. Je suis désolé. Crime, si, j'avais déjà joué avec toi, mais quand et où? Rappelle-moi quel let's play. Eh, je suis navré, hein. Je suis vraiment désolé, mais moi et les pseudos, ça va pas du tout. Alors si tu me rappelles une situation, là, je peux te dire oui, c'est bon, je m'en souviens. Mais pour le coup, je me souviens plus très bien de ton pseudo. Je suis vraiment, vraiment désolé. Crime. Si, ça me parle, mais fatch. Où et quand? Tiens, salut. C'est qui lui? Je l'ai pas vu avant lui. Bizarre. Très bien, passons. Alors je repasse juste à l'intérieur ici, voir si on peut trouver d'autres trucs, hein, au final, puisque ça peut-être pop entre temps. Et on dirait que non. Mais bon. Oh. Ouh. Là, je l'ai aligné en une balle, lui aussi. Toi aussi. Bien. Et de deux. Je saigne? Non, j'ai même pas perdu un HP, en fait. Cool. Alors, dans le doute, un pour toi. Et un pour toi. Aïe, en fait c'est le zombie qui m'a enlevé des HP. Ah, bien. J'ai entendu d'autres balles, on dirait. Mais je ne sais pas d'où ça venait. Ok. Eh ben ça fait deux cadavres de plus. En même temps c'est eux qui me cherchent, on est d'accord. Et je suis à 500 d'humanité, magnifique. Donc j'ai encore baissé un petit peu. On va voir, est-ce que t'as pas une map sur toi par hasard, mon ami? Une hache, bon bah en même temps, t'allais pas faire grand-chose contre moi. Et toi? Est-ce que tu as une map, s'il te plaît? Non, mais tu as un checkpack, voyons voir. Blueprint hero, chargeur, blablabla, non, rien d'intéressant. Cache encore, l'autre on va pas le cacher, on s'en fout un petit peu. On va juste checker autour de nous quand même, on n'est pas à l'abri, nous sommes dans une zone de pop, je le rappelle. Allez, dépêche-toi, cache-le. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, cache-le, mon ami. Merci. Allez, on se taille. Donc, direction l'est, Solibor. Donc, comme je l'avais dit, normalement, l'est, c'est par là. Ouais, absolument. Je sais pas si crime ou crime, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. Bon, il me corrigera si toutefois. Je sais pas s'il a écrit du coup. Parce que j'étais un petit peu occupé. Ok. En tout cas, deux nouveaux kills. J'espère que je les ai tués les deux. Parce que 500 d'humanité pour deux, c'est pas grand chose. Je ne sais pas trop. Bon, on verra. On verra bien. De toute façon, on s'en fout un petit peu. Je voulais pas les tuer en plus de ça. Je l'ai vu vraiment au dernier moment. Et la balle, ben là, il y avait une seule balle qui est partie. Et c'était pour lui, quoi. Puis son pote qui l'a suivi derrière, qui a tiré une balle d'ailleurs je crois, mais qui m'a un petit peu loupé également. Bah qui est mort derrière, c'est magnifique. Ah, j'ai essayé de... Ah, maison. Salut. J'ai essayé de trouver des bestioles à tuer. Et à coupe-coupe. Le problème qu'il y a, c'est que j'arrive à les tuer, ça va. Ensuite j'arrive à les coupe-coupe, mais j'arrive pas à récupérer la viande qu'il y a sur eux. Et c'est là où il y a tout le problème, c'est un poil chiant. Donc je ne sais pas trop comment faire. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais vous faire une ellipse quand même parce que ça dure un petit moment là. A toute. Ok, re tout le monde, je vous reprends ici. En fait, je vous reprends là. On est quasiment arrivé à Solibor, hein. C'est juste devant nous. Mais j'entends des coups de Makarov. Je ne sais pas trop d'où ça vient. On va tenter de chasser. Encore une fois, on est là pour ça. Il faut avoir l'humanité négative.
ponctuons. À la chasse. Et à la chasse au Lianfield, hein, j'ai envie de vous dire, moi, ça... Ça ne déconne plus, même au Makarov, si j'en avais qu'un. Il y a du zombie par là-bas. Zombie qui n'a pas été ameuté par ce fameux joueur. Peut-être que c'est derrière nous, remarquez, mais je ne pense pas. J'ai rien vu de spécial. Je suis sûr d'avoir été, de ne pas avoir été suivi. Bon, il doit pas être très très loin. Je pense qu'il est derrière ce mur là. Ouais, jetez un coup d'œil. Il est peut-être dans cette grosse ferme, remarquez. Alors, il y a un avantage, c'est que nous on peut voir au-dessus et pas lui forcément. Alors, soyons prudents tout de même. Regardons ce qu'il y a en face de nous également. Mais cette ferme, je pense qu'il est là-dedans. Ok. Il y a un seul bâtiment qui m'intéresse dans cette ville, plus ou moins. C'est un gros bâtiment résidentiel, en plein centre. Normalement. Avec une grosse ferme juste à côté, donc ça doit être assez facile de le trouver. Là, par contre, vous l'avez entendu très probablement. Et en fait, il n'est pas à la ferme, il est un petit peu éloigné. Ouais, par contre, il y a un zombie juste là, c'est bien ce que je pensais. Ok. T'es où, mon pote? J'étais scouté. Oh, merde. Ça craint. Oh. Beaucoup de chance, là. Il est où, le zombie? Disparu, tant mieux. Ça m'arrange. Tire voir encore un coup, mon ami. Ah, mais il y a un supermarché. C'est peut-être ça, la grosse densité que j'ai vue. Moi, je pense déjà savoir où il est, notre ami, là. Ouais, mais pas beaucoup de bruit, là, du coup. À part cette musique, là, qui vous donne une ambiance de ouf. Assez incroyable. J'ai peur. Eh oui, tiens. Trop de pression. Non, là, franchement, rien à cirer, hein. Mais j'aimerais quand même le tuer, le bonhomme. Déjà, histoire de récupérer ce qu'il a sur lui. Et s'il a une map, ça m'arrange. Mais la musique prend énormément de son dans mon casque, en fait. Alors, il y a un zombie juste là. Et l'église est une autre densité... même moyenne apparemment, mais je ne l'ai pas sur cette carte. Ou alors la carte est trop dézoomée, ce qui est une éventualité. Zombie juste là-bas. Ok. Rien autour de nous. Bon. Alors l'église, je me suis un peu mal placé puisqu'au final je suis entre les deux bâtiments. C'est pas GG. Maintenant ça va mieux. Maintenant on est vachement mieux placé. On va garder la, le centre commercial en visu. Et voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. Rien, rien, rien. Du moins rien qui m'intéresse. Toujours rien. Rien non plus, décidément. Pas de map? Non, pas de map. Tant pis, on se tire. Il y avait des munitions pour le flingue, mais un chargeur va pas me changer la vie. On va le laisser reprendre un petit peu son souffle, et on y, on y retourne. Hein. Alors, petite zone indus juste là-bas, c'est pas très intéressant. De toute façon, on va passer par Sabina pour rentrer. Donc à Sabina, j'ai envie de vous dire qu'on trouvera tout le nécessaire qu'il nous faut pour le reste de mes outils, à savoir juste la pickaxe en fait. Hein. You on the bridge, drop your weapon or die. Ok mec. Toi tu fais pas dans la dentelle non plus, c'est bien. J'aime bien ce genre de personnage. Toi, fous-toi à poil ou tu vas mourir. Ok mec, détente.
Et si ça se trouve, il n'est même pas armé, ça peut être un coup de bluff énorme. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous, hein, le mec n'a absolument rien dans les mains. Vas-y, drop tout par terre. Hop, il drop et hop, il prend. Et maintenant, il a une arme, quoi. Ça, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais ce sera assez intéressant. Alors, je vois une carte, je vois une tente, c'est bien ça. Est-ce qu'on se prend la tente ou pas? Je sais pas trop, hein. Ça me paraît être une bonne idée, même si je ne sais pas trop où la poser. Et surtout qu'il faudra du bois également et une toolbox que je n'ai pas. Et qu'il va falloir que je trouve d'ailleurs. Tiens, c'est un autre outil qui va me falloir, ça. Toolbox, bien entendu. Très important. Ah! Fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises. Merci. Ok. Alors. Non! Ne prends pas la Mountain Dew, toi. C'est collector, cette canette. Un sac de ciment dans une zone résidentielle. Peut-être que c'est un sac de ciment qui a été trouvé par quelqu'un et qui l'a déposé ici, mais je crois en avoir vu un deuxième, donc ça fait tout de suite... c'est tout de suite moins possible, quoi. Et tu veux bien faire le tour, mais t'es gentil. Sac de ciment, hein. C'est une idée. Pourquoi on n'en prendrait pas pour la maison, tiens? On est quand même pas mal full, déjà. Bah, je fais le tri si nécessaire, c'est pas un souci. Que ce qui m'intéresse un peu plus, ce sont les armes. Mais encore une fois, on n'est pas forcément là pour ça. On est là pour le fun. Cette fois-ci, c'est détente. Voyons voir. On va se garer là, vite fait, rapido. Donc nous sommes à... Non, pas à Lipstock. Descends encore un peu. On a commencé à Etanovsk, qui est donc juste ici. Je vous le montre que maintenant, je suis désolé. Hein. Solibor, on est ici en ce moment même. Il y a une zone militaire juste là. N'est-ce pas? Tout à fait. Allons jeter un coup d'œil. Bien que ce sont des bâtiments qui normalement ne spawnent pas. Toujours est-il, allons jeter un coup d'œil, on est à côté, profitons-en. Mais bon. Et cette tente qui bloque tout le chemin. J'ai plus de coup de feu depuis avant. Ou bien? Ah, boussole, tiens, salut. Canette de nourriture, on n'est pas full HP je crois, hein. Non, bah maintenant oui. Nice Kiki. Il a mangé? Ah, j'allais dire. Il a mangé mais il est pas full life, c'est quoi ce délire? En fait non, j'ai rien dit, tout va bien. Ah, très bien, très bien. T'es pas loin mec. T'es même pas loin du tout. Allons jeter un coup d'œil par là-bas. Alors DG, j'ai été spoté, je sais pas par qui. Il est peut-être de l'autre côté du mur. Allez savoir. On s'en fout un peu. Prenons un peu d'altitude avant de rentrer dans cette zone militaire là. On va rentrer dans ce bâtiment. Qui est lui une grosse densité par contre. Non, non, la assaut. La voilà. Good boy. Jumelle. Ah ouais, j'ai déjà. Ok. Rien de spé, hein? Non, rien de fou. Alors on enchaîne. Étage supérieur, s'il vous plaît. Rien d'intéressant. Jumelle, couteau, bandage. Bandage, j'ai dû en utiliser un, n'est-ce pas? Ou j'ai déjà refait le plein entre temps? Non, j'ai toujours deux bandages, parfait. Une autre boussole, une tente encore. 4 canettes de boisson. 3 de nourriture. Ouais. Donc 4 et 4. Ouais, j'ai prévu de faire de la marche. Hein, Lienfield? Oui, absolument. J'ai un pet killer en trop. Ça me paraît bien. On peut virer le chargeur qui est à moitié vide. Ouais, on peut. Cool. Et il me le remplace par le plein? Nice, Kiki. Ok. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, lol. Je disais, c'est moi qui t'ai aidé sur Tchernarus.
Ouais, on est un petit peu obligé de parler anglais, c'est un poil chiant ça quand même. Serveur un poil emmerdant. Alors qu'il est français hein, complètement, mais bon, voilà quoi. Alors. Ok, en fait, bah maintenant voilà, oui, tu me parles de situation, direct je tombe sur. Direct je sais qui c'est. Bah c'est le mec qui a défoncé le bonhomme quand je voulais prendre l'avion quand on était sur Tchernarus, voilà. Se pose à Tchernarus. Un des derniers épisodes, voilà, j'ai trouvé un avion. Après redémarrage serveur. Et il y a un mec qui voulait le prendre devant mon nez. Et lui, bah, ce crime, justement, ou crime. Eh bien, a sorti son sniper. Et là, mais juste déglingué. C'était rigolo. D'ailleurs, je vous invite à voir l'épisode. Hein, il est funky, hein, franchement, il est bien. Comme tous les épisodes de Daisy Network, bien entendu, hein, on est d'accord. Et alors que Krim me propose son aide, bah d'autres demandent pourquoi et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'aider. Il y a un zombie qui est mort, je pense que c'est un zombie décor, mais tout de même, soyons prudents. Et ce sont encore une fois les bâtiments qui ne peuvent pas être lootés, on est d'accord. Hein. Je sais pas pourquoi ils mettent une zone militaire sur cet endroit, alors qu'en fait, absolument pas. On peut rien faire du tout ici. Ça c'est un bunker comme dans Wasteland, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Donc encore une fois, hein, je confirme, on peut rien faire dans ces bâtiments. Alors je ne sais pas si ça loot derrière, devant, à gauche, à droite, je ne sais pas. Pour moi ça ne loot absolument pas. Déjà on ne voit pas à travers les vitres. Non, non, on est d'accord, ça sert à rien, ça donne. Bon, ça sert à rien. On se tire. Du coup, zone militaire est en fait entre guillemets. Il y a une autre zone militaire qui se trouve un petit peu plus écartée qui est là. On peut peut-être y trouver un vélo également. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, c'est à tester. Hein. Et sinon, il y a Novibor qui est juste en dessous et je finirai mon épisode à Novibor. En attendant, moi, je vous fais une ellipse et je vous dis à dans. Ah bah, dans 900 mètres. Ok, on se retrouve. Donc. La zone militaire, c'est ça. Soit. Je voyais pas vraiment ça comme une zone militaire. Mais toujours est-il qu'apparemment, c'est bien ça. Je vais quand même confirmer sur la carte parce que, très honnêtement. Non, je confirme, c'est bien ça. C'est n'importe quoi. Donc, c'est un château. On va voir ce qu'on peut y trouver. Je suis un petit peu curieux. Je pense que vous l'êtes aussi. Je sais pas si vous connaissez ce genre de bâtiment. Alors, je sais que dans Tchernarus, il y a des châteaux de ce type-là, murailles, trucs comme ça. Mais on y trouve un petit peu de tout comme stuff, pas forcément de l'arme uniquement. Donc avant tout, ok. Déjà j'aime pas ces double entrées montées genre bizarre là. Et on dirait qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant à se mettre sous la dent, voire absolument rien. C'est assez bizarre qu'ils ont noté ça comme étant... du bâtiment militaire. Ouais, c'est même très bizarre. J'ai rien vu du tout, moi. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Ouais, très bizarre. Faut avouer. Donc, je suis peut-être un petit peu venu, pardon, pour rien. En même temps... fallait vraiment le savoir comment on fait pour monter. Pas d'échelle planquée quelque part, non, apparemment pas. Bon, on va pas faire 30 fois le tour. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et s'il y a rien, il y a rien quoi. Donc, ben, re-ellipse, je vous retrouve à Novibor. Novibor où on va visiter. Ah ben, on va visiter les bâtiments qui sont ici. Ce sont des bâtiments résidentiels moyenne densité. Non, c'est plutôt ceux-là. Et on va voir ce qu'on peut y trouver. Je vous dis à tout de suite. Ok, on se retrouve, mais décidément vraiment la voix qui part en sucette moi. Regardez-moi ce que je viens de trouver à l'instant là. Alors je sais pas du tout si on peut faire un truc avec. On ne peut rien faire avec, définitif. Mais au moins il est là quoi. J'ai pas regardé s'il y avait du stuff à l'intérieur. Et pendant qu'il y en a qui demandent si quelqu'un se trouve dans le secteur B, à savoir Salvation. Non, j'aimerais bien, figure-toi. J'aimerais beaucoup même. Mais pas encore, ce sera pas encore pour aujourd'hui.
Maintenant que j'ai construit... Oh, une Jeep. Ouais, elle a l'air bien foutue, bien morte. Et bien volante aussi. Ah non, ça va. Toutes les textures n'étaient pas encore chargées. Donc, je disais... Maintenant que j'ai fini de construire ma maison, je comptais commencer à me trouver un bateau. Voilà, alors je ne veux pas d'hélicoptère, pas forcément, puisqu'un hélicoptère c'est bien trop visible, bien trop grand, sauf Moustique qui est juste là-bas, mais que voilà, qui est un petit peu foutu, n'est-ce pas? Voilà, moi je partirais bien sur un bateau, parce que c'est un truc que je pourrais mettre au bord de l'eau, quelque part, et on serait bien, quoi. Et on pourrait directement partir sur Salvation avec. Ouais, donc voilà l'idée, voilà le plan. Maintenant il faut le trouver, quoi. Ça c'est encore autre chose. Et c'est bien dommage, je n'ai pas... ouais, c'est bien dommage, j'ai pas trouvé ça là dans l'épisode précédent, je crois que c'était. Où j'ai pas mal marché. Waouh! Salut Billy. Où j'ai marché au bord de la côte, hein, vous vous souvenez. C'était il y a 2 épisodes, je ne sais même plus. Très honnêtement, j'enchaîne tellement vite que je sais plus dans quel épisode c'était. Billy? Oh Billy. Et il y a toujours encore la technique de j'ouvre mon inventaire, je switch d'armes, hop, easy quoi. Si jamais, voilà, j'ai découvert ça de nouveau tout à l'heure. C'est vrai que j'avais complètement zappé cette histoire. Mais c'est vrai que quand vous voulez switch d'armes, vous ouvrez, vous fermez. Et par contre, ouais, faut pas bouger, ça c'est un fait. Complètement oublié ça aussi. Hop, petite boisson et on est reparti. Je crois qu'il n'y a rien là-haut, mais peut-être là, éventuellement. Non. Ok, très bien. Poursuivons. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à visiter ici? Pas grand-chose, hein. Éventuellement, une zone... Qu'est-ce qui fait un bruit pas possible, là? Éventuellement, une zone Indus, un petit peu plus loin. Qui est quelque part par là-bas. À part ça, je vois pas trop ce qu'il y a à visiter, quoi. Ça je sais plus, ouais ça on peut le visiter également, c'est vrai. Ouais bon, à vue de nez, pas grand chose, passons. De toute façon au niveau résidentiel, Sarani, une nouvelle map, ah, hein, j'aime les nouvelles maps. Non, pas encore, Crime, ou Crime, ouais, Crime c'est bien. Même si c'est faux, je suis désolé. Non, je ne l'ai pas encore testé, mais... Alors oui, on parle anglais, je pense que je l'ai déjà dit encore une fois, parce que le serveur, ils aiment pas quand on parle français, bref, voilà. Non, je n'ai pas testé cette nouvelle map, Sirani, ça s'appelle. Je vais aller jeter un coup d'œil. Mais encore une fois, hein, je teste les maps uniquement quand elles sont dispo sur DayZDB. J'ai pas envie de me prendre la tête à tout installer manuellement, machin, non, non. Après, ça me pourrit le jeu encore d'une certaine façon, ou machin, non, non. Crossbow, ouais, t'as raison toi. Oh, manger? Ah non, empty can, ouais, c'est ça. Ok. Et elle est où cette super zone Indus là? Elle est quelque part un peu plus loin à droite. Je crois qu'elle est après le train, on dirait. Ça doit être ça là-bas au fond. Donc on va jeter un rapide coup d'œil à ceci. Et ce sera la fin de mon épisode funky où j'aurais quand même fait 3 kills au final. Et je me serais pas fait toucher une fois. C'est des fois des trucs qui arrivent comme ça, qui sont extrêmement rares, voire jamais. Et au final, ça passe quoi. Mais très concrètement, je suis assez sur le cul moi-même. Hein. Pour ce qui est de ces 3 kills. Je pense pas qu'on va croiser beaucoup de joueurs dans le coin. Novibor étant une très très petite map. Même si on passait pour aller à Sabina directement, je vois pas, ouais non, pas vraiment d'intérêt qu'il y ait beaucoup de gens par ici. Même si, encore une fois, on est 40 hein, sur le serveur, hein, faut pas l'oublier. On est full, 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 ultra blindé. Et je sais que quand je vais me déconnecter, quelqu'un d'autre prendra ma place en une fraction de seconde. Ouais, c'est assez dingue. Voyons voir, une petite toolbox pour finir, ce serait sympa ça. Non? Non. Alors, il est où ce bâtiment? Une tête derrière là. Je,
ne sais pas, sinon je vais devoir faire un altab rapide pour voir à quoi ça ressemble. Pour voir à quoi ressemble le bâtiment. En photo. C'est peut-être celui-là, mais ça m'étonne quand même pas mal. C'est quand même un bâtiment moyenne densité, hein, donc c'est pas rien. Ouais, je vais devoir faire un altab, je crois, il y aura rien là-bas. Ok, je vais faire un altab rapide, je suis désolé pour ça. Mais là, ça m'intrigue. Ok, donc non, c'est bien ce bâtiment qui est juste là. Qui est, ouais, qui serait le bâtiment en question. Moyenne densité, donc. Je suis assez surpris. C'est bizarre. Bah bon, jetons un coup d'œil, on sait jamais. Hein. Mais je crois que non. Ah ah, c'est là-haut par hasard? Si c'est le cas, j'ai pas envie de monter, hein, je vous le dis tout de suite. Donc on va laisser tomber. Par contre, il y a un autre truc que j'ai zappé maintenant que j'ai zoomé un petit peu plus. Ce sont les trains. Et les wagons, plus exactement. Parce qu'il y a des wagons de l'autre côté du mur là qui sont susceptibles de donner du loot industriel. Mais encore une fois, c'était également dans un des épisodes précédents où j'avais vraiment du mal à. Voire même pas du tout. À looter ce qu'il y avait dans ce wagon. Donc on va quand même jeter un coup d'œil parce qu'on est dans le coin. Mais après je vais me déconnecter quelque part, un endroit un petit peu plus safe, et je vous dirai à la prochaine. Parce que là j'en peux plus d'AZ. Je vais faire un petit peu autre chose là. Surtout que je vous propose des épisodes de 40 à 50 minutes en ce moment. Plus que la normale. Eh bien oui, on ne peut pas looter. Quoi qu'il arrive. Cement mixeur, carrément. Ah ouais. Ça m'aurait bien foutu les nerfs par contre. Je cherche un moteur et... Ah, je peux pas le looter. Bref, moi je vais me déconnecter ici, je vais arrêter ma vidéo là. La prochaine fois, ce sera direction Sabina. Sabina qui est juste là. Énorme ville où on se trouvera quelques petites choses, des petites bricoles à gauche à droite, puis direction la maison. Et à ce moment-là, je déposerai tout mon stuff, mes items, etc., etc. Puis on se refera un tour quelque part d'autre pour un autre épisode. Bien. Ah. Until restart and patching. Alors attendez, avant que je vous quitte, qu'on sache tous ensemble. Je demande si le patch veut dire qu'on va perdre quelque chose. Pendant ce temps, je vais me mettre à l'abri, moi. Parce que ils sont mignons, mais s'ils patch, maintenant que j'ai fini de construire ma maison, après 3 ou 4 épisodes, je pense que ça va m'énerver. Je pense même que ça va beaucoup m'énerver, tiens. Qu'est-ce que j'ai galéré à la construire. Et là, maintenant, ils vont patcher et... Non, j'aurais foutrement les nerfs. Très honnêtement, si ça arrive, j'aurais foutrement les nerfs. Alors que je perde ce qu'il y a sur moi, à la limite, ce que je perde ce qu'il y a dans ma maison, à la grande limite, ce que je perde ma maison, plus ce que j'ai sur moi, plus tout le reste, non. Non, là, définitivement, non. Maintenant, tu suffis. Bon, ça me paraît pas mal pour se déconnecter juste ici. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Apparemment, je n'aurai pas de réponse, mais on l'aura tous ensemble dans l'épisode suivant. Ciao, ciao tout le monde.